J'ai oublié le masque. Est-ce que j'ai pris mon téléphone? C'est le truc de la dernière fois. Oh, moi je vais marcher. C'est bon, j'ai raté. Bon, j'ai raté le bus. Si je rate le bus, là, c'est fini. Bon, là, nous sommes le matin. J'ai passé le code. Et après, je vais rentrer. Et là, on verra. Le GCAP. Voilà le risque depuis ce matin. En plus, avec le code, le casque, j'avais cher mal. Ça s'est très bien passé. J'ai écrit en détail ce qui s'est passé. Il y a eu trop de péripéties. Mon outfit du jour. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Bon les gars, je viens de rentrer. Bon, en fait, 10 minutes après, quand j'ai fini le truc là-bas, parce qu'elle avait dit 10 minutes après, j'allais avoir les résultats. En fait, ouais, j'ai vu moins 5 euros en fait sur votre pharmacie à la commune. Je me suis dit, j'ai même pas encore passé le code. Enfin, j'ai même pas encore les résultats. Et là, je clique. Et là, je vois encore félicitations, vous venez de réussir votre code de route. Je suis trop contente. 35 sur 40. Moi, je ne voulais ni plus ni moins. Bref, 35 et c'est fini. Parce que c'est bon là. Ensuite, j'ai passé le code. Ça s'est super bien passé. Alors, expérience personnelle. Moi, mon code, il faut savoir que j'ai commencé en janvier-février. Parce que. À ce moment, j'ai commencé à mal expliquer. Donc, je vous fais une voix off. Du coup, je disais que en janvier, j'ai commencé parce que l'ENA Situation était en collaboration avec l'auto-école. Et du coup, pour avoir accès à la plateforme, il fallait 19,99€, donc 20 euros. Comme l'ENA Situation était en collaboration avec l'auto-école, et du coup, avec son code promo, pour avoir accès à la plateforme, ça revenait à 9,99€, donc 10€. Je me suis dit, allez, vas-y. Il y avait mon ami qui avait passé son code et son permis aussi. Bah, à ce moment-là, j'étais au téléphone et j'ai dit, ce que je fais ou je fais pas. Et là, son coup de tête m'a dit, fais. Du coup, je me suis inscrite sur le site. Avant, ça s'appelait Auto-école. Maintenant, ça s'appelle Stitch. Ouais, Stitch. Du coup, j'ai commencé. Et je faisais bien les premiers jours. Ça allait une fois, deux fois, trois fois par jour et tout. Et j'étais contente. J'étais à fond dedans, j'étais grave à fond dedans, mais sauf que à un moment il y a eu la fac, il y avait les examens, du coup j'ai laissé tomber jusqu'aux examens, du coup pendant 3-4 mois à peu près, et juillet, août, j'ai commencé à fond. Je me suis dit, en septembre je dois l'avoir, comme ça, c'est fini. Et du coup, en septembre, j'ai réussi à fond tout ce qui me restait à faire. Normalement, je devrais l'être passé il y a une semaine. Mais quand je voyais que je faisais le test, j'étais encore à des 20, des 30. Et est-ce que je suis vraiment prête? Quand je faisais les évaluations blancs, c'était une catastrophe. J'arrivais presque jamais à 35 sur 40. Mais ça ne m'a pas découragée, sauf à un moment, mais je me suis repris. Sur le site, ils font les erreurs qui nous persistent à la dernière minute. À laquelle avec on a encore du mal à la dernière minute et du coup je révise. J'ai fait. Et c'était quand? Je crois que c'était lundi ou mardi. J'ai fini. Il y a quelques jours j'ai réservé et c'était pas encore ça les résultats. Je me disais, comment ça? Lundi, j'ai fini tout le code. Là, sur le site on m'a dit, vous êtes prêts pour le code. Voilà. Moi j'étais en panique, je me disais, ça veut dire là je vais plus rien réviser jusqu'à jeudi. Et en fait je faisais les défis code et c'était soit des 40, soit des 30. Je me suis dit, sur le coup de tête, en tout cas tu vas y aller. Et tu vas l'avoir, en fait il n'y a pas de, tu vas pas l'avoir parce que 30 euros comme ça là. J'ai fait des tests, même ce matin. En fait c'est depuis hier, j'étais en panique, je me disais mais
le code 30 euros. Imagine, j'ai pas les. Je sais pas. Là, j'ai dit, Seigneur, je te demande juste d'avoir 35 sur 40. Pas 40, ni je sais pas. Juste 35 sur 40. Juste la moyenne qu'il demande. C'est tout. Comme ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini avec ça. Et Dieu merci, je suis partie. En plus, je devrais arriver 15 minutes en avance. Hein. Et je sais pas, aujourd'hui, il y a eu un mouvement social depuis 2-3 jours là jusqu'à vendredi, il y aura ça. Du coup, il y avait archi pas de bus. Et les bus de chez moi, ils passaient pas. Du coup, j'ai marché 15 minutes pour aller prendre le bus de l'autre côté. Le bus qui devait venir à 7h58, il n'était pas venu. Du coup, moi, je suis venue là-bas à 8h02 pour prendre le bus de 8h15. Et bon, quand le bus était 8h58, il est venu en retard, il est venu vers 8h05. Je rentre pas. Déjà là, il arrive en retard, ça veut dire ton bus 8h15, il sera en retard. Donc tu le prends, tu montes et tu y vas en fait. Là, je viens quoi? J'arrive à l'arrêt de bus. Il était 40. J'ai couru. Mais ça va, c'était à côté. Heureusement, j'avais regardé l'endroit, enfin, en photo. Parce que je suis jamais allée là-bas. En tout cas, je suis arrivée. La dame, elle m'avait vue dans la salle. Elle s'est dit obligée, elle veut passer le code. Elle est venue, elle me dit, c'est pour le code? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, ah, bah, vous êtes très avantageux. J'ai dit, madame, c'est à cause du bus et tout, il n'y avait pas de bus. Elle m'a dit, ok, pas grave, bah, je lui ai donné tout d'un coup. Parce qu'en fait, il fallait la convocation, mes pièces d'identité. Je lui ai balancé tout. Et elle a tout regardé, elle m'a dit, prenez des interrupteurs pour vous désinfecter la main, rentrer dans la salle. Quand je suis rentrée, il m'a dit, ouais, il faut aller là où il y a la tablette et tout. Mais là, il nous a tout expliqué. C'était trop bien. Et la dame, elle était très gentille avec nous. Avec un peu d'humour, bah, c'est pas. J'aimais bien son ambiance, quoi. Et du coup, ça s'est très bien passé. Quand j'ai sorti, je n'étais pas stressée ni rien. Limite, c'est comme si je disais, ouais, j'ai le pote, quoi. Moi-même, je me demandais, ouais, pourquoi t'es pas stressée en fait? Mais sinon, ça s'est bien passé. Moi, si j'ai un conseil à vous donner. En fait, ça dépend de votre mood, de comment vous le ressentez, le truc. Mais si vous mettez une semaine, deux semaines, limite un mois, et vous dites, ouais, là, je vais avoir mon code, je vais bosser. Vous allez l'avoir en fait. J'ai remarqué que je pouvais pas me concentrer plus de 30 minutes, voire une heure sur le code. Du coup, au début, je l'ai mis dans ma routine du matin, ouais, faire le code 30 minutes. Et la routine du soir aussi, 30 minutes le code. Après, je l'ai enlevé, mais c'est resté, mais c'était dans ma to-do list. Du coup, le matin, 30 minutes code ou une heure si j'ai le temps. Le soir aussi, 30 minutes, une heure si j'ai le temps. Et bah là, ça a fonctionné pour moi. Je restais pas plus longtemps parce que je me rappelle au début, je pense que c'était l'excitation. Du coup, je restais 1 heure, 30 minutes, 2 heures à faire que ça. Mais après, quand j'ai voulu me remettre, j'avais un peu de mal. Et du coup, ouais, je mettais 30 minutes, 1 heure le matin, 30 minutes, 1 heure le soir. Le code, c'est juste un truc de régularité. Juste. Soyez régulier et ça va passer crème en fait. Faites des séries 4 fois par jour. Avant de faire les séries, de voir tous les trucs en fait théoriques. Il y avait les vidéos, il y avait les écrits. Et à chaque fin de vidéo, il y avait un examen sur 5. Et à chaque fin des textes, bah, il y avait aussi une question sur 5. Et quand on faisait ça, à la fin de la thématique, il y avait une vidéo sur 40. Et donc, bah, on devrait avoir 35 sur 40. Et du coup, il y avait aussi les défis du jour. Mais sauf que moi, j'ai pas vraiment fait les défis du jour. C'est juste à la dernière minute, j'ai fait les défis du jour. Quand j'ai terminé lundi, tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, il y avait à la fin, du coup, des évaluations blancs. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu 35 sur 40 à toutes les évaluations, sauf une, deux fois. Sinon, c'était toujours entre 25 et 30. Mais du coup, comme moi personnellement, je voulais avoir plus au moins 30, enfin de 35 à 40. Du coup, je regardais les réponses là où j'avais faux, je refaisais le test. Je les ai au moins refaire au moins deux fois.
ou même des fois trois fois, parce que voilà. Et du coup, bah, le site, il a repéré les questions qui sont encore très très dures pour moi à l'approche de l'examen. Et il l'a mis dans les révisions à la dernière minute. Et du coup, il me le faisait repasser, repasser, repasser. Et après, bah, à la fin, il m'a dit, bah, vous êtes prêts. J'ai commencé à faire les défis du jour et tout s'est bien passé. Voilà. J'ai passé le code en candidat libre. Et c'est avec le site que j'ai révisé. Du coup, ça me donnait un an pour avoir mon code révisé. La poste, il fallait que je paye 30 euros. Si j'étais en retard, ils allaient pas me prendre et c'était pas remboursable. Et si je venais pas, c'était pas remboursable et tout ça. Il fallait prendre en compte tout ça. C'est pour ça aussi, je me suis vite dépêchée le matin, aller très tôt. Et quand même, j'arrivais à ça quand même des évaluations. Enfin, ils allaient commencer quoi. Moi, mon avis, bah, le site auto-école bah, Stitch, il est très bien fait. Enfin, j'ai fini de dire ce que je voulais vous dire. J'espère que bah, ça va vous encourager à passer votre code si vous ne l'avez pas encore passé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez passer votre code. Quand vous allez passer, vous allez l'avoir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà passé votre code et vous l'avez eu à combien? 35, 40, 39, 37. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Allez, bref, bisous!